Ce soir, Suprême NTM est sur notre plateau. Suprême NTM, j'appuie sur la gâchette, c'est le titre de l'album et c'est un titre qui étonnera beaucoup de gens, je sais pas, qui vous connaissent pas ou qui sont vos détracteurs, parce que c'est une chanson qui est pas violente, c'est une chanson pleine de désespoir, et puis en même temps, on a vraiment l'impression que c'est une sorte de cri d'angoisse, non? Bah ouais, c'est surtout un pur cri d'angoisse, quoi. Donc pour les gens qui nous connaissent pas, je pense que ça rejoint le reste quand même un peu, quoi, puisque c'est toujours basé autour de l'émotion, quoi, vachement, quoi, du vécu, de l'urgence et tout ça, quoi. En fait, ça étonne aussi les gens qui nous connaissent parce qu'on n'a pas eu vraiment l'habitude de balancer des lyrics comme ça. C'était souvent un peu plus violent, même s'il y a de la violence dedans, mais c'est surtout, comme disait, un signe de désespoir. En même temps, il y a une sorte de tradition de chansons réalistes et tout que vous reprenez, parce que c'est une sorte de grande complainte contemporaine, mais en même temps qui fait écho à une certaine tradition de la chanson française. Ben, on estime qu'on n'a pas lieu d'être si c'est pas le cas, quoi, en fait, parce que des niaiseries, on nous en balance beaucoup déjà. Et je pense que avec le mini pouvoir qu'on a de pouvoir faire des disques, passer à la télé, tout ça, ben, autant le faire pour avoir quelque chose à dire, quoi, pour faire avancer les choses un minimum, quoi. Alors je lis dans le texte qui est pour un nouveau massacre, un nouveau morceau, le business a fait du rap son nouvel élixir. C'est un souci que vous avez, c'est-à-dire comment arriver à la fois à être reconnu tout en n'étant pas récupéré? Le souci, c'est d'en fait faire vraiment du hip-hop et du rap sans vraiment s'adapter au créneau médias, radio, standard, pour pouvoir passer à la radio, vraiment faire notre truc sans l'élargir, et que ce soit vraiment les médias qui s'approchent de nous et qui essayent de voir ce que c'est vraiment le hip-hop, et pas avoir la démarche inverse d'ouvrir pour que les médias puissent venir et comprendre ce qu'on essaye de faire. Ce qui est normalement leur but en plus, quoi. Enfin, je veux dire, normalement de découvrir, quoi, d'appeler les gens à découvrir, que ce soit les nouveaux talents ou autres, quoi. Authentique, c'est un album qui est album, enfin disque d'or, et en même temps, on peut pas dire qu'il était énormément programmé ni sur les radios ni à la télé. Comment vous arrivez à comprendre ce succès? C'est lié au concert, aux tournées, des choses comme ça. C'est lié au concert, et aussi que le rap, c'est un phénomène de rue, donc de bouche à oreille. Les gens, ils vont acheter le disque dans les bacs parce qu'ils en ont entendu parler, et non pas par forcément parce qu'ils l'ont vu à la télé ou qu'ils l'ont entendu à la radio, quoi. Alors il y a aussi une chanson manifeste où vous dites c'est net, NTM n'est pas une bande, pas un gang, pas une secte, c'est clair. Ouais. Il y a besoin de s'expliquer comme ça? Ben ouais, parce qu'on a un club de bridge et que les gens, faut qu'ils le sachent, quoi, quand même. Même si on n'en a pas l'allure, quoi. De bridge dentaire. Voilà, exactement. J'ai lu dans un livre sur le rap d'Africa Bambaataa, qui est un petit peu le père spirituel de tout ce mouvement, il écrit « Certains sont profondément sincères et prêts à mourir pour la cause du hip-hop, alors que d'autres prennent le train en marche pour se bourrer les poches. Ouais, » bah c'est un constat aussi, qu'on fait aussi dans nos lyrics, ouais, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était il ne faut pas que ce soit nous qui fassions la démarche pour aller dans le sens des standards et des médias, mais plutôt faire vraiment notre truc et que les gens viennent s'approcher de ça, quoi. Alors il y a un titre qui s'appelle Police, dont on va entendre un extrait tout à l'heure, et vous avez des petits soucis avec le ministre de l'Intérieur. Bah ouais. Enfin, c'est plutôt lui qui en a avec vous. Ouais, sûrement, ouais, parce qu'on se rend compte que quand on balance des réalités, ça gêne pas mal de gens, quoi. Enfin, ce titre-là, on l'avait écrit bien avant le retour de Charles Pasqua à l'Intérieur. Donc vous auriez eu sans doute des emmerdements avec son prédécesseur aussi. Ouais, puis surtout que depuis qu'il est revenu, quoi, il y a eu pas mal de... Enfin, c'est un peu légitime quand même. Il y a eu des décès du côté des jeunes, quoi, quand même. Enfin, la semaine où il est revenu, il y a eu 4 morts, donc voilà, je pense que c'est normal d'écrire des paroles comme ça, quoi. C'est autour de nous, ça se vit tous les jours, donc voilà, je comprends pas pourquoi il y a plainte de sa part. Et ben on en entendra un petit bout. Suprême NTM, à vous. Yeah, dédicacé à Monsieur Fils, Monsieur Car, Monsieur Naofel et tous les gens de Saint-Denis. Et à Joliot au curé, ouais. N'oublie jamais que les cités sont si sombres, tard lorsque la nuit tombe, et que les jeunes des quartiers n'ont jamais eu peur de la pénombre, en profitant même d'elle-telle, ayant la loi, n'ayant pas d'autre choix que de développer une vie parallèle, business illicite, la survie t'y invite, comme persuadé de prendre le chemin de la réussite, mais pour ça qui fait quoi qu'ils sortent, nous a donné l'état, ne cherchez pas intentionnel et fait cet attentat, laisser à l'abandon une partie des jeunes de la nation, ne sera pour la France qu'une nouvelle amputation, car quand la faute est faite, la fête est finie, fini de rire. J'ai peur pour l'avenir, mais toi qu'as-tu à dire pour contredire mes dires? Je n'invente rien, contrairement à ce que tu peux lire. Pas de brodage dans mes textes, pas de romance, car je sais que notre pensée peut avoir de l'influence. Quelle solution préconise-t-on? Mieux vaut prévenir que de guérir, dit le dicton. Mais dans ce cas précis, si guérison il y a, n'oublie jamais que c'est à nos frais que seront les dégâts. Yeah, yeah, un, yeah, yeah, un. Yeah, 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 yeah. Trop longtemps plongé dans le
noir à l'écart des lumières et des phares, éclairés par l'obscure clarté de l'espoir. Les enfants, les idées ont perdu le contact, refusent de pelle, bah, conscients qu'ils n'en sortiront pas intacts. Vivre libre, aspirer au bonheur, se donner les moyens de sortir du tunnel pour voir la lueur et pouvoir tapisser de fleurs les murs de l'amour. Voilà ce qu'on reproche à mes proches, à ce jour sans pour autant essayer de comprendre le pourquoi du comment. Les préférences se baser sur des préjugés pour porter un jugement. À la hâte dans le vent, non, non, des éléments. Un monde nous sépare, alors foutez-moi le camp, c'est clair. Je pense vous avez saisi la sentence. La France est accusée de non-assistance à personne en danger, coupable crie les cités. Mais l'État, malgré ça, nous fera payer les dégâts. Yeah, 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 yeah. De passer à un autre volume là, alors on va pumper la. T'es prêt? Nick, 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 la police. La patrie du vice, je m'en bats la puissance. Pour faire voir mon avance, tout en transcendance. Un à un me joint de tous les flics de France. Mercenaires fonctionnaires au sein d'une ville, ils prolèrent terriblement dans le vent. Frontière à terre, point qu'ils tempère ou même la terre. Les différences héréditaires qui depuis trop longtemps prolifèrent. À la montée de tous les préjugés et manœuvrant pour enflouer l'animosité des poudrières les plus précaires, confinées et secondaires par les dignitaires d'un gouvernement trop sédentaire. Partie de justice dans la bâtisse de trop factice pour que si ils puissent en envie nos voix approbatrices. Sincèrement, socialement, quand ils lèvent le tentant, dans un bon étonnement, tous les humains qu'on régresse en vraiment aucun changement de comportement de la part d'elle. Tu fous des lois, roi du faux pas, ma foi ce qui te prévoit un sacré bas. Tant pour la même patrie, du fils de la part de tous mes complices, les alentours ou des fonds. Avant qu'on leur abîme le jour, nique-la.